Bonjour à tous, je vous présente mon formateur Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Merci de t'adresser à nos nombreuses clientes et clients par rapport au sujet qui nous préoccupe. Ben, de plus en plus, hommes, femmes, la perte de cheveux. Alors Jean-Pierre, toi, avec la gamme René Furterin, vous avez trouvé des solutions. Oui, solutions qu'on peut appliquer à la maison, qui n'ont pas besoin d'être faites par un professionnel, qui sont des solutions qui peuvent sembler miracles, mais qui ne le sont pas, qui sont appuyées par des études scientifiques et des tests. Parce qu'il faut savoir que chez René Furterin, on est une compagnie dermocosmétique, on est appuyé par des laboratoires pharmaceutiques, et chaque produit, chaque truc qui est créé dans la ligne René Furterin est toujours appuyé par ces études-là. Donc, vous n'aurez jamais un commentaire vague du fait de les personnes ont trouvé que c'était mieux, plus beau. Non. On est vraiment dans un indice pour la performance et vraiment comprendre ce qui se passe. Fait qu'on a vraiment des produits qui sont appropriés, à propos, puis qui sont faciles d'utilisation et qu'on peut faire à la maison sans avoir besoin le professionnel qui nous accompagne. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'on est capable de régler la chute de cheveux dès qu'il y a du vivant à l'intérieur du cuir chevelu. Exactement. De façon durable, efficace et oui. À la maison. Pas besoin de chirurgie, pas besoin d'implants, pas besoin d'avoir du downtime. Aucun truc invasif. Il faut comprendre aussi qu'étant donné qu'on est une compagnie qui mise beaucoup sur le naturel et la naturalité, vous allez voir au fil du temps, si vous connaissez la ligne ou si vous voulez la découvrir, qu'on focalise vraiment à avoir le plus possible des formules qui sont naturelles et à 100% d'ingrédients actifs de qualité. Et ce qui m'amène à dire qu'on ne se ramasse pas à focaliser comme certains compétiteurs, et je ne suis rien contre la compétition, au contraire, ça nous aide à nous en sortir et à ressortir beaucoup mieux. Ils vont focaliser sur ce qui est mort, donc ils vont faire gonfler les bulles pileux, ils vont empêcher les cheveux qui sont santé s'en aller à demeurer sur la tête. Et ce qui va arriver quand on arrête d'utiliser ces produits-là, tout ce qu'on a investi en temps, en argent et en espoir, s'en va avec l'eau du bain. Dans René Furterin, c'est totalement l'inverse. On va focaliser sur le vivant. Et M. Furterin, qui est le fondateur, avait une phrase que je trouve qui exprime vraiment bien. Un cheveu sain doit pousser dans un cuir chevelu sain comme une plante dans un sol fertile. Et donc, c'est vraiment la base de toute la philosophie René Furterin, de travailler avec quelque chose de sain, de naturel, pour pouvoir investir et pas perdre ce qu'on a investi en soi. Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est vraiment super simple. C'est vraiment un traitement qui va se faire en 5 étapes et qui va prendre environ 3 mois de votre temps et qui est un geste quotidien. Mais avant juste de commencer ça, ce que je trouve qui est vraiment important, c'est de définir quel type de chute de cheveux on est atteint. C'est vraiment différent, c'est vraiment super simple. C'est par rapport à certaines questions ou juste à être capable de savoir ce qui s'est passé dans notre vie. La première qu'on va parler, qui est vraiment, je trouve, la plus simple à reconnaître, c'est vraiment ce qu'on appelle la chute de cheveux réactionnelle. Cette chute-là va être occasionnée par un choc nerveux, par un changement physiologique soudain. Ça peut être un régime, ça peut être surtout aussi un post-grossesse suite à la grossesse, ça peut être suite à une chimiothérapie. C'est vraiment un changement soudain d'un état physiologique qui fait que le corps décide d'arrêter de nourrir le cheveu et qui va laisser partir le cheveu. Il faut comprendre qu'un cheveu prend 3 mois à sortir du cuir chevelu. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau qui va le pousser. Donc, cette chute de cheveux-là n'est pas irréversible, elle est au contraire réversible et on peut l'aider. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'en état de choc, oui, notre système, ou en état où est-ce qu'on a tout donné, exemple dans une grossesse, où est-ce qu'on donne naissance et tout ça, exactement, notre cheveu il est moins nourri, donc automatiquement, il va tomber, mais il n'est pas mort. Non. C'est juste qu'il y a un détachement puis qu'il y a justement une nouvelle vie qui s'en vient. Une nouvelle vie. Et ce que va faire cette cure-là, qu'on va expliquer plus en détail ensuite, va donner toute la possibilité à venir stimuler, à ralentir la chute, mais surtout à relancer la croissance. Et comme je disais tout à l'heure, René Furterin focalise toujours sur ce qui est vivant. Et ce qu'on veut faire vraiment, c'est relancer la croissance. D'accord. Donc celle-là, c'est une chute de cheveux choc. Donc, exactement. Elle arrive. Oui, les personnes qui font un jeûne, les personnes qui font des gros régimes, les personnes qui font des entraînements intenses, qui tout le corps, les organes vitaux, ils veulent, eux, ont besoin que ton corps va automatiquement dire « moi, je protège les yeux, le rein, les foies, les intestins, ton cœur. » Les organes. On peut vivre sans cheveux, sans cils et sans ongles, mais on ne peut pas vivre sans cœur et sans poumons ou sans intestin. Et c'est vraiment là que le corps fait un choix. On a une machine qui est extrêmement bien conçue et qu'elle décide de faire « j'arrête de nourrir tes cheveux, je m'occupe vraiment de ce qui est vital. » Et c'est celle-là qu'on est capable de ramener très rapidement. Parfait. Deuxième. La deuxième, c'est ce qu'on va appeler une chute de cheveux progressive.
La chute progressive, elle va être facilement reconnaissable chez l'homme avec le front qui commence à dégarnir et le dessus de tête. Ça va être environ pour l'homme entre 30, 35, 40, 45 ans. Je suis vague parce que ça va vraiment définir selon la physiologie, selon ton état de santé et selon aussi l'hérédité. Et on va voir vraiment si chez personne-là, environ aux alentours de 35 ans, une perte de cheveux qui va être au niveau de 40 % de la tête, tout le monde les perd. Ça, c'est physiologique. Tout le monde aux alentours de 40-45 ans va perdre 40 % à peu près de sa chevelure. C'est comme ça. Chez la femme, on va se rendre compte que ça va être plus aux alentours de la soixantaine. La femme va faire une perte de cheveux progressive aux environs de 60 ans, qui va être souvent liée à un changement hormonal ou à d'autres états physiologiques. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, je veux qu'on reste quand même simple pour être capable de les démêler, mais on va s'en rendre compte. Dans le fond, la tête, elle fonctionne d'une manière, c'est que chaque cheveu, pour l'homme, a environ une durée de vie de 3 à 5 ans, et chaque bulbe pileux va faire environ un cycle de 10 à 12 fois. Fait que si on fait 30, si on fait 3 ou 5 fois 10 ans, on est à peu près dans la 30-50aine. Et chez la femme, ça va être environ 4 à 6 ans que le cheveu va vivre. Et dans un cycle de 10 ans. Cette cure-là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pousser de 3 à 5 ans, peut-être de 4 à 6. Et chez la femme, peut-être au lieu de 4 à 6, peut-être de 5 à 7. Donc, on est vraiment dans un ralentissement, mais surtout un prolongement. Et si on regarderait cette tête-là, on se rendrait compte que oui, il y a des bulles pileux qui sont morts. Mais nous, encore là, je reviens à ce que je disais au départ, on veut focaliser sur ce qui est vivant. Donc, le vivant, c'est ce qu'on va s'occuper. Si on regarderait le cuir chevelu à une loupe ou au microscope, on verrait qu'il y a des dans un cuir chevelu qui est vraiment en très santé, qui n'a pas de problème, qui a vraiment des gros cheveux et qui a plein de petits cheveux dans le même bulbe qui va pousser et des petits cheveux très, très fins autour. Ça, on ne s'en soucie pas parce que la tête fonctionne. Mais quand on est en perte de cheveux, et que les bulbes pileux commencent à mourir, tout ce qui demeure sur la tête, ce sont ces petits cheveux anémiques-là, et c'est eux, c'est sur eux qu'on va focaliser, parce qu'un bulbe pileux mort ne reviendra jamais. Donc, ne jamais croire quelqu'un qui va vous dire qu'est-ce qui est mort peut redevenir vivant, c'est impossible. Donc, ce qu'on fait avec ce traitement-là, c'est qu'on vient vraiment focaliser sur le vivant, on vient les aider à pousser plus gros, plus fort, et à être plus visible. Et on est le leader mondial dans l'antichute depuis 18 ans parce qu'on focalise vraiment sur cette philosophie-là et on a vraiment des résultats qui sont probants. Je vous invite vraiment à aller voir les sites internet, les témoignages. C'est vraiment, et même de venir voir Ève, elle a des photos avant-après qui donnent vraiment des résultats qui sont probants et je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas un miracle, c'est scientifique. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que quand on a une chute de cheveux génétique, progressive, ça vient t'atteindre directement. Et souvent, les gens peuvent être gênés. Donc, sans aucune gêne, sans aucun jugement, moi, j'en parle ouvertement parce que, comme naturopathe, je comprends l'effet de comment on se sent intérieurement, émotivement. Puis, plusieurs hommes, plusieurs femmes aussi me parlent de leur chute de cheveux, quoi faire. Mais là, vous avez une solution qui est simple, efficace, durable, que vous pouvez faire à la maison pour maintenir, garder, augmenter et surtout s'assurer d'avoir un effet sur le cheveu. Et c'est un vrai... C'est pas juste, comme tu dis, il y a certains produits qui vont vous promettre plusieurs cheveux. Oui, effectivement, mais dès qu'on arrête le produit, tout tombe. Tandis que là, on nourrit. On nourrit puis on garde ce qu'on a investi. Puis moi, je vais avoir bientôt 50 ans. Et ça, il n'y a aucune extension dans mes cheveux. Oui, je vais prendre beaucoup de vitamines. Oui, je prends soin de moi. Mais surtout, je fais le rituel de René Furterer pour m'aider et à préserver et aussi assurer une vitalité. Parce que René Furterer, ce n'est pas en surface. C'est vraiment à l'intérieur du cuir chevelu. On est vraiment en dermocosmétique, donc on va vraiment travailler en profondeur. Il y a quelque chose que tu mentionnais tantôt que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on va souvent penser que la chute de cheveux va être faite parce qu'on est... pas propre, on ne comprend pas soin. C'est vraiment un état physiologique qui est dû à certains trucs qu'on va simplifier. Peut-être le cuir chevelu gras qui vient créer une espèce de réaction avec la testostérone qui vient isoler les bulbes et qui décide de plus les nourrir. Et c'est vraiment à partir de ça. Mais ce n'est pas vraiment parce qu'on fait quelque chose de mal. C'est vraiment un état physiologique et il y a moyen de venir la prévenir. Oui. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu tellement de charlatans par rapport à des produits qui faisaient des fausses allégations qu'à un moment donné, je vous comprends aussi de dire « Ouais, mais ça marche-tu vraiment? » Bien, moi, je vous le dis, ma clientèle l'a vraiment
c'est le fun de voir quelqu'un arriver puis d'être heureux puis de se sentir bien dans sa peau parce que justement, il a retrouvé qu'est-ce qui est vivant puis qu'est-ce qui est à lui puis qu'est-ce qu'il a puis qu'il veut préserver. Donc oui, ça fonctionne vraiment. Oui, c'est vraiment le petit cheveu qui va devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus gros. Oui, c'est ta propre chevelure qu'on va aller augmenter et on va aller s'assurer de la préserver, de la garder. Exactement. Et on ne promet aucun miracle. Non, ce qui est mort, c'est mort. Mais ce qui est là, on est capable de l'aider. Vraiment. Et puis, ça va se faire en rituel non-invasif. Puis c'est ce que je trouve la beauté de la chose. C'est-à-dire qu'on va en salon, on est capable de le faire. Et ça va être un traitement qu'on va faire deux fois par année, tout dépendant du type d'antichute. L'antichute réactionnelle, on va le faire au besoin et on peut le prolonger un peu plus longtemps pour donner cette dynamisation-là. Et ensuite de ça, le progressif, on le fait deux fois par année. Et c'est vraiment simple. Ça va se faire avec l'aide de produits qui font partie de la gamme, qui sont des produits qui sont à utiliser à usage quotidien. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Le premier produit qui est vraiment utilisé et qui est vraiment important, qui est un produit phare chez René Forteraire, on est une des seules compagnies au monde qui font un pré-shampoing. Ce pré-shampoing-là, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir aider à stimuler, il va venir oxygéner et il va venir assainir votre cuir chevelu. Il est à faire sur cheveux secs, c'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous faites ce traitement-là d'huile qui est vraiment super simple à venir appliquer. On vient appliquer cette huile-là qui est une huile stimulante. Je la comparais, cette huile stimulante-là, à aller faire, admettons que vous allez au gym, vous vous entraînez, l'effet qu'elle va venir donner, c'est comme, admettons que vous venez faire 10 à 15 minutes de tapis roulant pour préparer votre corps à votre entraînement. Vous n'y allez jamais à froid. Donc, c'est la même chose. Fait que cette huile-là va venir ouvrir la discussion avec votre cuir chevelu, va venir ouvrir la discussion avec les terminaisons nerveuses, les bulbes, tout ce qu'il y a besoin. Fait qu'il va avoir un, c'est comme si, admettons, on venait booster. Et je te prends vraiment le mot booster, ça vient vraiment booster parce que tout ce qu'on va mettre ensuite en traitement va être 5 fois plus puissant et performant. Donc, c'est vraiment une ouverture de discussion. Et ce qu'on est en train de parler là va se faire dans les deux cas, dans la réactionnelle et dans le progressif. Moi, personnellement, je l'utilise tout le temps avant mes shampoings, même si je ne fais pas toujours les shampoings perte de cheveux. Si, admettons, je me fais un shampoing fortifiant pour aller, parce que moi, j'ai les cheveux longs, fait que je veux aller dynamiser ma racine, je fais le complexe 5 et je sens que ma chevelure, le seul désagrément, c'est qu'il faut que je fasse ma coloration aux 2 ou 3 semaines parce que les cheveux poussent vraiment plus rapidement. C'est un beau problème. C'est un beau problème et il ne faut pas oublier que ce produit-là, c'est un produit qui date de 1957. C'est un des premiers produits que René Forteraire a fait et ça reste dans nos top 1 au monde. C'est vraiment unique. Fait qu'on parle ici d'huile essentielle de lavande et d'orange, stimulant. Et chez René Forteraire, il y a quelque chose de vraiment important, c'est la sensorialité. L'odeur est incroyable. Oui, vraiment. En deuxième produit, ici, on va y aller avec le shampoing triphasique. Le shampoing triphasique, je vais m'approcher ici, vous allez voir, il y a des petites bulles. Et dans les petites bulles qui sont faites de agar agar, parce que je reviens encore à la naturalité, il n'y a aucun plastique dans le produit ou silicone. Le agar agar, c'est un petit additif de sucre qui vient conserver dedans des bulles et de complexe 5. Donc, dans le fond, le shampoing, lui, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir stimuler, ralentir et relancer la croissance de cheveux. Ce qui est vraiment important avec ça de penser, c'est que quelqu'un qui veut s'en aller dans le triphasique, là, ce qu'on va vous présenter, c'est ce que j'appelle la cure de luxe, mais quelqu'un qui veut être juste en prévention, le shampoing est vraiment bien. On peut le travailler vraiment différemment. On n'est pas obligé d'avoir toute la gamme, mais c'est certain, comme on dit, l'addition fait la raison, et cette raison-là, c'est d'avoir un truc à effet rapide. Donc, on vient faire notre shampoing ici. Ensuite de ça, on a ici un baume triphasique, parce qu'on veut quand même venir... Toi qui as les cheveux longs, on a besoin d'hydratation, on a quand même besoin de brillance, on a quand même besoin de venir démêler notre chevelure. Mm-hmm. Et ici aussi, on a un baume qu'on fait vraiment longueur pointe. Et c'est le seul baume qu'on demande de venir un peu appliquer au niveau du cuir chevelu. Parce qu'absolument, on ne veut pas stimuler la séborée. C'est vraiment important. Fait qu'ici, on est vraiment dans la stimulation encore, dans le ralentissement de la chute et aussi dans le relancement de la croissance. Et c'est vraiment un produit fantastique parce qu'il est hydratant et non lourd. Les personnes qui vont être en perte de cheveux ont une chevelure très fine, qui va être très diaphane souvent, et on ne veut pas se ramasser avec une chevelure sans volume. On veut vraiment avoir un cheveu lourd qui donne l'impression qu'il est gras. On veut quelque chose d'aérien, et ce produit-là est vraiment fait pour ça. Et ensuite de ça, on vient et on tombe avec nos traitements. Et donc, on est dans la douche le matin, on vient faire notre complexe 5, on a fait notre shampoing, on fait deux shampoings en passant. Un premier qui vient tout nettoyer, un deuxième qu'on vient faire un temps de pause de 3 minutes. Le temps de pause est vraiment important, parce que moins on fait un temps de pause, moins on a les effets dermo-cosmétiques à notre cuir chevelu, et on envoie dans le fond tout ce qu'on a investi dans l'eau du bain ou de la douche, et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Ici, dans le traitement triphasique réactionnel, c'est le plus simple. C'est 12 ampoules. Donc, 12 ampoules pour un traitement de 3 mois. Si on divise, ça fait 4 ampoules par mois à raison de une par semaine. Parfait. Donc, complexe 5, shampoing triphasique, oui.
baume oui. Ampoule. Et, vous allez me dire, ensuite de ça, vitamines. Les vitamines sont super importantes. Ça fait vraiment bizarre de dire qu'un coiffeur ou un salon de coiffure vous conseille des vitamines, mais étant donné qu'on est une compagnie dermo, cosmétique, qu'on a des laboratoires pharmaceutiques, on produit des compléments alimentaires qui sont super performants. Et dans celui-ci, on va trouver des extraits de cassis qui vont stimuler la microcirculation et on va trouver d'autres éléments comme des acides aminés. On va retrouver aussi de la vitamine E, B8, zinc, sélénium pour venir vraiment faire un apport nutritionnel. Donc, avec la chute réactionnelle, ce qu'on veut, c'est plus gros, plus fort, plus vite pour avoir cet effet-là. Donc, avec cette cure anti-chute réactionnelle, les effets vont apparaître rapidement. Au bout de 2 mois, on commence vraiment à avoir une différence et au bout de 3 mois, on a vraiment un résultat qui est apparent. On va avoir plein de bébés cheveux. Et souvent, les gens vont vous dire « Ah, j'ai plein de petits cheveux, mes cheveux cassent. » Non, non, c'est des cheveux neufs. Mm-hmm. Et ça se voit. Ça se voit vraiment. Puis je vous mettrai, si jamais vous voulez voir des photos, j'ai des avant-après de mes clients à moi qui ont été hyper satisfaits, avec qui ça va vraiment bien. Mm-hmm. C'est vraiment visible. Mm-hmm. Ça change la vie des gens, oui. Je vous le dis. C'est vraiment pas un miracle, mais ça change vraiment. Et là, dans la deuxième, qui est la progressive, celle-là va se faire 2 fois par année et toujours sur 3 mois. Donc, admettons, on est janvier, février, mars en pause, avril, mai, juin, traitement, juillet, août, septembre, temps de pause. Septembre, octobre, novembre. Octobre, novembre, décembre, je m'excuse, va être en traitement. Donc, ça va prendre 2 boîtes pour un total de 16 ampoules. Parce que là, le premier mois, on va faire 2 fois complexe 5, shampoing, baume. 2 ampoules par semaine pour le premier mois. Et ensuite de ça, on va prendre les vitamines à raison de 1 par jour durant les 3 mois. Le deuxième mois, c'est-à-dire le mois 2 et le mois 3, 1 ampoule par semaine seulement. Et ça vient compléter le traitement progressif. Pour les gens qui n'aiment pas avoir des routines qui sont défaites, comme ceux qui sont des soins du visage, parce que c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment comme prendre soin de son visage, parce que c'est une extension de la peau du visage, une ampoule à semaine à vie. Et les résultats sont vraiment là. Mm-hmm. Et je pourrais vous parler de mes amis ou des gens que je l'ai vu, mais pour les personnes qui ont vraiment un dessus de tête qui est plus dégarni, ou cette ligne-là, on va vraiment venir la ralentir et avoir une repousse qui est visible. Et comme je disais tout à l'heure, quand c'est terminé, dans le fond, c'est le corps qui est venu travailler, on ne perd pas les cheveux qui ont repoussé. Et c'est vraiment ça, moi, que je trouve fantastique, parce qu'on focalise sur ce qui est vivant, et c'est ce qu'on met de l'avant. Bon, ben, j'espère que ça a bien répondu à toutes vos questions. Donc, dans les 2 formes de chute, que ce soit progressive ou réactionnelle, on a des solutions durables. Oui. Faciles. Faciles. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est responsable, c'est éco-responsable. Et vous avez aussi des gros formats. Il y a le petit format, mais il y a des gros formats aussi parce qu'il y a des gens qui veulent justement avoir des rituels à long terme. Donc, si jamais vous avez des questions, comme vous voyez, je suis très bien entourée avec des formateurs chevronnés qui sont toujours là pour répondre à nos questions. Parce que souvent, vous me voyez, je suis la personne des réseaux, je suis la personne qui va expliquer beaucoup, beaucoup tout ce que je crois ou des rituels ou de vous donner les meilleurs conseils pour avoir les meilleurs résultats. Mais sachez une chose, c'est que je suis grandement et très bien entourée et je voulais vous présenter mon formateur préféré. C'est on va dire ce que c'est. Merci. Parce qu'il y a la passion et il y a surtout la vocation de vous redonner une belle identité, de redonner justement toute la dignité qu'on va aller rechercher. Parce que là, on vous a parlé de chute de cheveux, mais René Furterer, c'est plusieurs rituels, que ce soit beauté, santé, par rapport aux cheveux toujours, longévité de la coloration. Pellicule, cuir chevelu gras, cheveux qui ont des manques de densité et tout simplement en appliquant des rituels à la maison qui vous donnent un résultat professionnel et qui est super simple en 3 ou 4 étapes, ce qui fait vraiment que ça peut changer des vies, vraiment. Je le dis puis je l'assume totalement. Oui, oui. Ben, merci Jean-Pierre. Merci à toi, merci de l'invitation. Au plaisir.